bienvenue à toutes et à tous. Chers auditeurs de notre chaîne Canal Biya, vous êtes de plus en plus nombreux à visionner nos émissions et nous vous en remercions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre projet. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'incroyable diversité des types d'aéronefs dus à l'ingéniosité de leurs inventeurs et constructeurs de l'aéronautique et du spatial. Dans le cadre de la préparation BIA, il n'est pas question pour vous de retenir l'ensemble des noms, des spécificités de chaque aéronef montré. En revanche, il est important de comprendre comment ces aéronefs ont été classés en grandes familles, dont vous devrez essayer de retenir les noms. Cette émission sera présentée aujourd'hui par Arnaud Lecoutre, professeur de technologie au Collège Condorcet de Nîmes, qui est également notre coordonnateur départemental des actions aéronautiques et spatiales dans le Gard. Vous l'avez compris, nous abordons aujourd'hui le domaine 3, connaissance des aéronefs et des engins spatiaux, et notamment nous allons nous attacher à les identifier, puis ensuite en faire une classification. Dans un premier temps, nous établirons une classification générale par grande famille, puis nous détaillerons au sein de chaque famille les appareils suivant leurs spécifications et leurs caractéristiques. Les engins volants, en effet, sont très nombreux et très diversifiés. Comment alors s'y retrouver? Un terme générique désigne tout appareil capable de se mouvoir dans les airs, l'aéronef. Il vient de la racine latine aero, relatif à l'air, et nef, navis, navire. Tout moyen de transport doit répondre au moins à trois fonctions. La sustentation, ce qui lui permet de tenir en l'air, la direction, ce qui lui permet de se diriger, la propulsion, ce qui lui permet d'avancer. Les aéronefs peuvent être classés en deux grandes familles, les aérostats, qui ont tendance à s'élever dans le ciel et qui sont donc plus légers que l'air, les aérodynes, qui sont plus lourds que l'air et qui vont devoir utiliser la dynamique des forces liées à leur déplacement pour se sustenter. Parmi ces aérodynes, nous allons différencier les aérospatiaux destinés à atteindre l'espace et dont le vol a un comportement balistique, c'est-à-dire, pour faire simple, celui d'une balle de fusil. Les aérostats sont plus légers que l'air. Il faudra donc leur ajouter un gaz qui le soit. L'air chaud, par exemple, des ballons, est une première solution, mais on peut utiliser aussi un gaz léger, aujourd'hui l'hélium. Il est possible aussi de diriger ce ballon grâce à des moteurs. Il devient alors un dirigeable. Les aérostats montent dans le ciel grâce à la poussée d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement ou traversant sa surface libre, subit une force verticale dirigée de bas en haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé. En ce qui nous concerne, le fluide, c'est l'air ou un gaz. Ils utilisent la loi physique de Boyle-Mariotte, nommée loi de Mariotte. La différence de densité entre l'air extérieur et l'air ou le gaz dans l'enveloppe doit générer une force capable de s'opposer au poids de l'aéronef. Pour mettre en œuvre une montgolfière, on chauffe l'air à l'intérieur du ballon, ce qui va entraîner la diminution de sa densité et de son poids. Nous devons les montgolfières aux frères Montgolfier. Le premier vol habité a lieu le 21 novembre 1783 à Paris, Pilate de Rosiers et le marquis d'Arlande ayant pris place dans la nacelle. Aujourd'hui, les montgolfières sont plus fiables, leur enveloppe est en soie et l'aérostier manœuvre deux brûleurs reliés à des bouteilles de gaz pour chauffer l'air s'il veut prendre de l'altitude ou en libérant par une trappe supérieure l'air chaud pour perdre de l'altitude. Observons cette mise en œuvre lors d'un meeting nocturne. La montgolfière est une enveloppe généralement en soie qui est gonflée d'air chaud grâce à un brûleur actionné par l'aérostier. L'air chaud, plus léger que l'air ambiant, prend un mouvement ascendant dans l'enveloppe et la redresse jusqu'au décollage. La fente du ballon, plus étroite à sa base, engendre une pression plus importante de l'air extérieur sur l'enveloppe,
ce qui favorise la montée en altitude. L'aérostier ne maîtrise que son altitude par le réchauffement de l'air intérieur du ballon pour monter, ou sa libération par le dessus pour descendre. Certains ballons sont gonflés avec un gaz plus léger que l'air. C'est le physicien Jacques Charles et les frères Robert qui ratèrent de peu le premier volume. Mais la première traversée de la Manche eut lieu le 7 janvier 1785 avec un ballon à gaz. Le pilotage s'effectue de la même façon que la montgolfière à air chaud, mis à part que le pilote largue du lest pour monter et laisse échapper du gaz pour descendre. Des ballons hybrides appelés aussi rosières combinaient à la fois une enveloppe hydrogène et un feu en dessous pour chauffer l'air. Vous comprenez bien que cela était dangereux, c'est d'ailleurs dans un tel engin que Jean-François Pilâtre de Rosiers trouva la mort dans une tentative de traversée de la Manche. Après plusieurs accidents, dont ceux des Zeppelins, l'hydrogène est remplacé par l'hélium. Le ballon sonde gonflé à l'hélium emporte des capteurs qui permettent de mesurer la température, la pression et l'humidité. Il explose vers 11 km d'altitude et son matériel est récupéré. Météo France en lâche environ 2 par jour, à 12 heures et à 24 heures UTC, dans 7 stations en France. Un diabolo réflecteur placé sous le ballon permet aux aéronefs de le détecter au radar. Les dirigeables sont constitués d'une enveloppe contenant du gaz. Mais en plus, ils disposent d'un moyen de propulsion et de direction. Ils n'apparurent réellement que lorsque la technologie des moteurs le permit. C'est Henri Giffard qui a imaginé et construit le premier aérostat dirigeable, mû par une machine à vapeur placée dans la nacelle. Le premier vol se déroula le 24 septembre 1852, soit 69 ans après le premier vol d'aérostat. Le pilotage se fait dans les trois dimensions et combine les techniques des aérostiers et celles des pilotes d'avion. Il existe deux sortes de dirigeables, les dirigeables souples dont la structure tient sa rigidité de la pression à l'intérieur de l'enveloppe et les dirigeables rigides, une structure métallique contient l'enveloppe et absorbe les contraintes aérodynamiques. On les utilise aujourd'hui à des fins publicitaires ou pour lever des charges dans des endroits peu accessibles. À noter qu'il existe aussi des dirigeables ULM, ils sont dans la classe 5. Ceci termine notre tour d'horizon concernant les aérostats. Nous allons parler maintenant des aérodynes. Les aérodynes sont des aéronefs plus lourds que l'air, non motorisés ou motorisés. Ils vont donc avoir tendance à perdre naturellement de l'altitude par l'effet de leur poids. Pour se sustenter, ils possèdent une voilure, c'est-à-dire des ailes fixes ou tournantes. Le déplacement de l'air sur cette voilure, appelé vent relatif, créer des forces dont la portance, ici RZ, sur ces schémas. Cette portance s'oppose à l'effet du poids, mais génère aussi une autre force, la traînée RX, qui nuit au vol. Mais vous découvrirez dans une prochaine émission qu'il n'y a pas de portance sans traînée. C'est l'aérodynamique et la mécanique de vol qui nous l'imposent. Les aérodynes non motorisés utilisent l'air du vent relatif pour planer et donc pour voler. On distingue les modèles réduits, les planeurs ultra-légers, les planeurs. Les modèles réduits non motorisés sont souvent des planeurs. Ils contiennent une batterie lithium, un émetteur-récepteur et des servomoteurs pour manœuvrer les parties mobiles à partir d'une radiocommande et l'action d'un pilote au sol. Ils sont fabriqués en dépron ou en balsa et leurs ailes sont recouvertes de toile enduite. Le groupe des planeurs ultralégers est constitué des deltaplanes qui, originellement et le plus souvent, comportent une voilure au galop, mue au départ par l'énergie musculaire ou potentielle, ils se dirigent par déplacement du centre de gravité sur deux axes. Des parapentes avec une voilure souple qui se gonfle avec la vitesse pour obtenir un profil type d'aile d'avion. Là encore, sans moteur, ils décollent et se déplacent grâce à l'énergie musculaire. Ils se dirigent par gauchissement, c'est-à-dire déformation des ailes, comme le faisait Louis Blériot avec son premier avion traversant la Manche. Les parachutes, dispositifs destinés à freiner le mouvement vertical mais aussi horizontal pour certains avions, d'un objet ou d'un individu dans les airs. Se présentant le plus souvent comme un simple coupole, il existe maintenant des parachutes de même architecture que le parapente permettant un certain pilotage. Les cerfs-volants, habituellement sans passagers et manœuvrés ou simplement rattachés au sol à l'aide d'un ou plusieurs fils. Ils sont généralement fabriqués avec de la toile et éventuellement une armature rigide. D'une taille beaucoup plus grande que le modèle réduit, le planeur
peut emporter une personne ou deux personnes. Un planeur est un aérodyne qui est dépourvu de moteur et donc optimisé pour planer. Sa voilure est très longue, ce qui va lui donner une bonne finesse et donc une très bonne capacité pour planer. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un planeur n'a pas besoin de vent pour tenir en l'air. Dès qu'il est en mouvement, le vent relatif agit sur ses ailes et crée de la portance. La conséquence en est qu'ils ne peuvent décoller par leurs propres moyens. Un avion remorqueur ou un treuil est nécessaire, comme vous le voyez ici, à l'aéroclub planeur d'Avignon Peugeot dans le Gard. L'accélération est très forte lors du décollage, comme vous pouvez le constater, et le planeur est tiré à environ 1000 mètres d'altitude, correspondant à la longueur du câble, puis celui-ci se décroche. Une fois le planeur assez haut, c'est son poids qui l'entraîne vers le bas et lui confère sa vitesse. Pour rester en l'air, le pilote doit chercher des ascendances ou pompes, c'est-à-dire des courants d'air chaud montant. En fait, le planeur est en descente continuelle dans une masse d'air qui monte. C'est ce qui lui permet de garder ou d'augmenter son altitude. Certains planeurs, appelés motoplaneurs, sont munis d'un moteur permettant de décoller sans l'aide d'un avion remorqueur ou d'un treuil. Passons maintenant aux aérodynes motorisés qui se classent en deux grandes familles. Les aérodynes motorisés à voilure fixe, donc les avions. Les aérodynes motorisés à voilure tournante, donc les gyroptères. L'avion est un aérodyne entraîné par un propulseur. Il se sustente grâce à une portance aérodynamique obtenue par des surfaces fixes, ses ailes. Une exception, les ailes à effet Magnus qui entrent en autorotation pour créer de la portance. La propulsion des avions s'effectue grâce à une hélice reliée à un moteur à explosion ou un turbomoteur, soit grâce à un réacteur. Le pilotage d'un avion s'effectue dans les trois axes. Les avions se différencient principalement par leur taille, liée à leur capacité et aux usages qui en sont faits. Les avions sont configurés différemment pour un usage civil ou pour un usage militaire. Les modèles réduits sont de toutes les tailles, mais toujours plus petits que leur maître et télécommandés au sol. Les drones en font partie. Les entreprises les utilisent à des fins d'observation d'ouvrages, de surfaces agricoles ou de monuments en les filmant. Ils nécessitent un brevet de pilotage spécial et les vols se font sous autorisation. L'ultraléger motorisé a une masse inférieure à 450 kg et il a un moteur de moins de 100 chevaux. Ce groupe est divisé en 5 classes. L'ULM pendulaire, deux axes correspondant à un deltaplane motorisé. L'ULM trois axes dont la technologie et le pilotage est comparable à un avion. Le paramoteur comparable à un parapente motorisé. L'autogire qui possède une hélice propulsive et des ailes tournantes non couplées au moteur et dont la rotation est obtenue grâce à la vitesse du vent relatif. À noter qu'il existe aussi des hélicoptères classés ULM. Et enfin, certains dirigeables sont aussi considérés comme des ULM. Les drones militaires sont télépilotés à distance. Dans l'armée, on les envoie sur des cibles pour destruction ou avant le tir d'un avion de chasse pour téléguider ses missiles sur leur cible. Ils effectuent aussi des missions de reconnaissance. Leur avantage est de ne pas avoir de pilote en présentiel dans l'aéronef. Les avions légers ont une masse inférieure à 5,7 tonnes. Ils peuvent être mono ou multimoteurs avec des moteurs à piston, des turbomoteurs et même des réacteurs. Leur structure peut être en bois, étoile ou métallique étoile, en composite ou entièrement métallique. Les derniers modèles utilisent des matériaux composites et un équipement entièrement électronique de pointe. Les avions de voltige sont des avions puissants, robustes et maniables pour pouvoir résister aux accélérations en G subies lors des acrobaties. Certains avions légers sont expérimentaux et permettent de préparer les technologies qui seront peut-être utilisées demain. Par exemple, les avions électriques à énergie solaire, Solar Impulse ou Impulse. Nous sommes à l'aérodrome de Do entre Alès et Nîmes dans le Gard. L'avion se positionne en bout de piste face au vent qui est faible ce jour-là. Il est prêt au décollage avec des élèves préparant le VI. Après autorisation de la tour de contrôle, le pilote met les gaz
et son avion, après avoir atteint la vitesse de 60 nœuds en roulant, s'élève dans le ciel grâce à sa portance. Dans un autre lieu, un pilote expérimenté réalise des figures de voltige avec un avion spécialement conçu pour cet exercice. L'avion a une structure renforcée et un moteur puissant. La voltige est un exercice difficile, réalisé parfois avec un fumigène, ce qui permet de mieux suivre la trace de figures effectuées à partir du sol. Les avions moyens véhiculent généralement des équipes professionnelles entre les villes et pays plus ou moins éloignés. Ils sont aménagés en conséquence, on parle alors d'avions d'affaires. Ils sont rapides et pratiques pour optimiser les temps de trajet. Leurs homologues militaires sont très rapides aussi et très maniables. Par contre, leur finesse, c'est-à-dire leur capacité à planer, n'est pas bonne. Leurs ailes sont souvent des ailes delta et leur portance est faible. Leur rayon d'action est très important et ils peuvent être ravitaillés en vol pour certains. Ils transportent leur armement, mais ils peuvent aussi être équipés d'électronique de détection pour l'espionnage. Regardons le Fuga Magister en vol et le décollage d'un Rafale de chez Dassault lors d'un meeting aérien en Occitanie. Ça veut dire que pendant plus de 3 ans de sa vie, il a passé en l'air. Ces années ont une charge d'emport assez importante, puisque à vide il fait environ 2 tonnes et lorsqu'il est à pleine charge, eh bien, il fait 3 tonnes. On y met deux pilotes à l'intérieur, un instructeur à l'arrière et un élève à l'avant. Ensuite, sur le devant de la cellule, on va y adjoindre deux mitrailleuses de 700. Le Rafale C de l'armée de la France. Terminons notre classification des aérodynes motorisés à voilure fixe par les gros porteurs. Je ne résiste pas à l'idée de mentionner le Concorde, même s'il n'est plus en service, un avion supersonique franco-britannique révolutionnaire pour son époque et qui a permis la mise en place dans tous les autres avions lourds de technologies encore d'actualité comme par exemple les commandes entièrement électriques. Je citerai quelques constructeurs de ces aéronefs, Airbus, Boeing, Antonov, mais il en existe beaucoup d'autres au niveau mondial. Ils sont utilisés par différentes compagnies aériennes internationales pour le transport de passagers sur les moyens et longs courriers, ainsi que pour le transport du fret. Les technologies évoluent, notamment concernant les matériaux et les motorisations pour tendre vers une consommation réduite et une pollution moindre. Des matériaux de plus en plus légers et performants, des moteurs à hydrogène, électriques et stratosphériques participeront sûrement à l'avancée des prochaines années. Certains aéronefs, comme les hydravions et les canadairs, sont conçus pour amerrir, c'est-à-dire se poser sur l'eau. Nous voici ici au pied des pistes de l'aéroport. Un Airbus rempli de passagers atterrit dans d'excellentes conditions météorologiques face au vent sur la piste désignée par le contrôleur aérien. Remarquez le posé sur le train principal, puis sur le train avant. Voici le Canadair de la sécurité civile. C'est un avion très particulier. Il possède une coque qui rappelle celle du bateau. Il est muni d'écopes sous son fuselage pour faire entrer une énorme quantité d'eau dans ses soutes. Ses moteurs puissants lui permettent d'amerrir, puis de redécoller pour aller larguer son eau sur les feux au plus près des dangers et des flammes. Les avions lourds militaires sont utilisés par les forces armées pour leur grande contenance. Ils transportent les véhicules, le fret et effectuent des missions de surveillance à l'aide de radars embarqués. La 400M est un avion de transport très puissant avec ses 4 turbopropulseurs et ses hélices 8 pales ratiées. Ses commandes de vol électriques lui permettent d'être très maniable. D'une capacité extraordinaire, il peut transporter jusqu'à 37 tonnes de fret sur 4500 km. Les aérodynes motorisés à voilure tournante regroupent les autogires et les hélicoptères. On les retrouve sous la forme de modèles réduits. Découvrons le pilotage ici d'un EC-145 de chez Airbus lors d'un meeting en Allemagne. Et oui, c'est bien un modèle réduit d'hélicoptère.
à se tromper, on dirait presque un vrai. Et voici le décollage, puis l'envol, télécommandé au sol par le pilote. La société Airbus Eurocopter est le numéro 1 mondial des constructeurs. Les déplacements d'un hélicoptère dans le plan horizontal sont obtenus par inclinaison du rotor principal grâce au pas dit cyclique. Sa montée et descente dans le plan vertical est obtenue par orientation des pales grâce à la commande de pas dit collectif. Un rotor de queue actionné par le palonnier permet l'orientation de l'hélicoptère. Certains appareils sont luxueusement préparés pour le transport de particuliers, mais la gendarmerie et la sécurité civile notamment utilisent ce mode de déplacement pour intervenir rapidement sur des endroits difficiles d'accès. Découvrons ensemble une démonstration d'élitreuillage d'un EC-145 de la sécurité civile de Nîmes-Garons. Voici une démonstration d'élitreuillage proposée par le groupement d'hélicoptères de la sécurité civile de Garons. Les secouristes de la sécurité civile sont élitreuillés pour être déposés précisément sur des lieux les plus divers et pour pouvoir remonter une personne en danger grâce à un harnais ou une civière. Cet appareil est un EC-145 de chez Airbus Hélicoptère. Il est très stable, ce qui est nécessaire pour ce type d'opération. La technologie des hélicoptères militaires est adaptée aux conditions de combat. On y trouve de la fibre optique à la place des fils électriques, un blindage, un système de vision nocturne par exemple. Certains appareils sont dédiés au transport de troupes, comme le Puma. Découvrons ensemble la maniabilité du Tigre, construit par Airbus Hélicoptère et en démonstration à la base de la sécurité civile de Garon, puis à Marseille. Certains appareils sont difficilement classables en voilure mobile ou en voilure fixe. Ils pivotent leur groupe motopropulseur et sont capables de décoller verticalement ou horizontalement. On les appelle les hybrides. Comme vous l'avez constaté, la famille des aérodynes est une très grande famille. Nous allons passer maintenant à l'étage supérieur de l'atmosphère et dans l'espace en étudiant les aérospatiaux qui sont des aérodynes assez particulier. Nous présenterons d'abord les missiles, puis les lanceurs spatiaux, et enfin, nous terminerons par les satellites et les sondes. Le missile balistique est un aéronef doté d'un moteur fusée dont la trajectoire est guidée au sol ou avec des capteurs embarqués. Certains missiles peuvent atteindre la vitesse de Mach 8, soit près de 10 000 km/h. Les plus tristement célèbres sont les V1 et V2, des Allemands durant la Deuxième Guerre. Ils peuvent être lancés à partir du sol, sur terre, avec des rampes de lancement ou des tubes, sur mer, à partir de navires ou de sous-marins, ou largués par un avion, généralement militaire. D'autres missiles comme le Predator est capable de lancer des roquettes sur un objectif et donc de servir à plusieurs missions sans pilote. Les grandes puissances mondiales disposent de missiles balistiques intercontinentaux comme le Titan II américain, c'est une force de dissuasion. Les lanceurs spatiaux possèdent un moteur fusée particulier d'une très grande puissance capable de propulser à la verticale les milliers de tonnes du lanceur et de son chargement pendant une durée limitée et calculée. Ce moteur utilise le principe de l'action et de la réaction en utilisant l'énergie dégagée par la combustion d'un carburant et d'un comburant, l'ergol. Une tuyère favorise l'éjection des gaz. La trajectoire d'un lanceur se décompose en trois temps. La phase propulsée, la phase balistique, puis la phase de descente des éléments libérés au cours du lancement. Voici les deux principaux lanceurs actuels. Ariane 5, développé par l'Agence spatiale européenne, l'ESA,
est conçu pour déposer des satellites en orbite, son décollage se fait à Kourou. Soyouz, développé par les Russes pour le transport d'hommes. N'oublions pas la Chine, qui s'est positionnée avec ses lanceurs Longue Marche sur le marché. Tous ces lanceurs sont conçus pour traverser les différentes couches de l'atmosphère, donc supporter de grandes différences de température et des baisses de pression. Les projets actuels sont de préparer un vol habité sur Mars ou de coloniser la Lune. Voici quelques images du lancement. 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. 8, 7, 6, 4, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis, the final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling Atlantis on its way. On its way, all three engines now throttling down as the area begins, as the vehicle passes through the area of maximum dynamic pressure. Atlantis, Houston, no action on the MPS H2LP. De nombreux satellites sont déposés par ces lanceurs. Les navettes spatiales ont aussi participé au maillage de notre espace. Leurs usages sont divers, militaires pour l'espionnage, de communication, téléphonie et internet, de météorologie, de positionnement GPS, de recherche comme télescope Hubble, d'habitation provisoire comme la station spatiale ISS qui a remplacé Mir. Ils peuvent être de différentes tailles, ces satellites très petits, ce sont des nanosatellites. Ils s'alimentent par énergie solaire à l'aide de panneaux. Ils se déplacent avec des trajectoires choisies en orbite ou sont fixes au-dessus d'un point de la Terre. On dit qu'ils sont alors géostationnaires. Enfin, il existe des sondes qui voyagent vers des planètes et systèmes pour nous transmettre leurs informations. Par exemple, la sonde Voyager, ici illustrée. Il est temps maintenant de faire un bilan de ce qu'il faut retenir. Les aéronefs se décomposent en deux grandes familles, les aérostats, plus légers que l'air, et les aérodynes, plus lourds que l'air. Parmi les aérostats, on trouve les ballons à air chaud, les ballons à gaz, les dirigeables. Parmi les aérodynes, on distingue les non motorisés, qui se composent des modèles réduits, des planeurs ultra-légers, c'est-à-dire les deltaplanes, les parachutes, les parapentes et les cerfs-volants, les planeurs. Puis les motorisés, qui peuvent être à voilure fixe, avions modèle réduit, avions ULM, avions légers, avions moyens ou avions lourds, ou à voilure tournante, modèle réduit aussi, autogire, hélicoptère ou hybride. Tous ces aérodynes motorisés peuvent être à usage civil ou militaire. Enfin, les aérodynes peuvent être aérospatiaux, c'est-à-dire les missiles, les lanceurs spatiaux et les satellites et sondes. A noter que les missiles et les lanceurs spatiaux ont un comportement balistique. Vous savez que dans l'épreuve du BIA, il y a l'option anglais. Et je vous conseille vivement de la prendre. Ce n'est que du bonus. Et pour cela, nous allons commencer à acquérir un peu de vocabulaire. Cette capsule de formation touche à sa fin. Il est temps maintenant de nous tester et de voir un petit peu quelles sont les questions du BIA qui peuvent être posées sur cette partie du programme. Une première question issue de l'épreuve de 2005. Tout appareil capable de s'élever et de circuler dans l'espace aérien. Réponse A est un aéronef. Réponse B subit des forces de portance et de traînée. Réponse C possède obligatoirement un moteur.
Réponse D, est piloté depuis l'intérieur de son cockpit. En analysant toutes les réponses, on s'aperçoit qu'une montgolfière, par exemple, n'a pas de traînée, donc la réponse B n'est pas correcte. De nombreux aéronefs, comme les planeurs, les parapentes, etc., n'ont pas de moteur, donc la réponse C n'a pas lieu d'être. Le pilotage d'un aéronef peut se faire à partir du sol par télécommande, c'est le cas des drones, par exemple, mais cela se fait beaucoup aussi en aéromodélisme, donc on élimine aussi la réponse D. La bonne réponse est donc la réponse A. Une question issue de l'épreuve de 2011 en anglais. A power-driven avion than an aircraft deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic traction on a surface with remain fixed under given condition of flight. The precedent text from ACAO define a glider. Answer A, an aeroplane. Answer B, a kite. Answer C, a gyrocopter. Answer D. Un appareil propulsé plus lourd qu'un aéronef, dont la portance en vol est principalement due à des tractions aérodynamiques sur le contact de surface, demeure fixe dans des conditions de vol données. Le texte précédent de l'ICAO définit réponse A un planeur, réponse B un avion, réponse C un cerf-volant, réponse D un gyrocopter. Les réponses A et C ne sont pas envisageables car l'aéronef évoqué est motorisé. Power driven. La réponse D ne convient pas car la voilure est fixe. Which remains fixed. La bonne réponse est donc la réponse B. Une question issue de l'épreuve de 2018. Quelle est la mauvaise classification? Réponse A, aérodyne non motorisé, deltaplane, planeur. Réponse B, aérostat, parachute, ballon, dirigeable. Réponse C, engin aérospatiaux, lanceur, fusée. Et réponse D, engin spatiaux, satellite, sonde. Attention, ici on vous demande la mauvaise réponse. Donc il y a trois bonnes réponses à identifier. De toute évidence, le parachute n'est pas un plus léger que l'air, donc ce n'est pas un aérostat. La réponse est la réponse B. Merci Arnaud. Pour compléter, quelques questions maintenant à dominante histoire et aérospatiale. Pour commencer, le vol d'un lanceur de type fusée commence par, réponse A, une phase centrifuge, B, une phase tractive, C, une phase propulsée, D, une phase balistique. Alors, nous l'avons vu, il s'agit bien d'une phase propulsée. Question suivante. Le rôle d'une sonde spatiale est, réponse A, d'être habitée pour permettre à l'homme d'effectuer des expériences en apesanteur. Réponse B, d'explorer le système solaire. Réponse C, d'évoluer en orbite basse pour analyser l'atmosphère terrestre. Réponse D, d'être satellisé en orbite géostationnaire. Alors, une sonde n'est pas habitée. Elle n'évolue pas en orbite basse, il s'agit en fait de satellites d'observation et elle n'est pas satellisée en orbite géostationnaire. La réponse est donc exploration du système solaire, réponse B. Question suivante. Les lanceurs spatiaux utilisent principalement des propulseurs fonctionnant, réponse A, au kérosène, réponse B, à l'oxygène et à l'hydrogène. Réponse C, au méthane. Réponse D, au gasoil. Alors, le kérosène est le carburant utilisé par les avions, avions de ligne en particulier. Le méthane est un gaz naturel utilisé à la maison, hein, pour le chauffage ou la cuisine. Et le gasoil, bien entendu, dans les poids lourds, dans les camions, ou bien brûlé dans la chaudière. C'était donc, bien entendu, la réponse B, à l'oxygène et l'hydrogène. L'hydrogène étant le carburant et l'oxygène le comburant. Question suivante. La première traversée de la Manche en ballon a eu lieu en réponse A 1909, réponse B 1830, réponse C 1785, réponse D 1870. La bonne réponse est 1796, qu'il s'agit de la traversée
en ballon, à ne pas confondre avec la première traversée en avion faite par Blériot en 1907. En 1783, le premier vol d'un ballon à air chaud est rendu possible grâce au travail des frères, réponse A Wright, B Montgolfier, C Caudron, D Voisin. Alors tous ces noms de famille correspondent effectivement à des frères. La bonne réponse est, nous l'avons vu, bien sûr, Montgolfière, Montgolfier. Question suivante, la navette américaine Columbia a effectué son premier vol spatial en réponse A 1981, B 1992, réponse C 1974, réponse D 2001. La bonne réponse est 1981. Question suivante, le satellite Hubble est réponse A, un laboratoire spatial, réponse B, un satellite de télécommunication, réponse C, un satellite espion, réponse D, un télescope spatial, nous l'avons vu dans l'émission, le satellite Hubble est un télescope spatial. Question suivante, en novembre 2014, la sonde Rosetta a déposé sur la comète Churyumov un robot appelé réponse A Voyageur, réponse B Philae, réponse C Opportunity, réponse D Curiosity. La bonne réponse est Philae, Voyageur est le nom d'une sonde, Curiosity, d'un robot envoyé sur la planète Mars, ainsi qu'Opportunity. Question suivante, Werner von Braun est le père du programme spatial américain ayant amené un homme sur la Lune. Il est également à l'origine de réponse A, l'avion Messerschmitt 262, réponse B, l'arme de représailles V2, réponse C, l'avion-fusée Messerschmitt 163, réponse D, le lanceur Soyouz. Il s'agit bien entendu de l'arme de représailles V2. Question suivante, le vaisseau spatial lancé par la NASA en 1977 et qui est officiellement sorti du système solaire en 2013 est réponse A, Apollo 13, réponse B, Voyager 1, réponse C, USS Enterprise, réponse D, Atlas. Bon, il s'agit bien entendu d'une sonde, c'est la sonde Voyager 1.